la Vendée pour défendre la scène division. Le soutien de la France va détruire la nation. En avant, bombardier, artillerie, sont tous prêts à danser la symphonie. À leur tour, nos forces, nous avons pour certains des ennemis atroces qui nous narguent de loin. Nous pouvons nous vanter et que ces mutins nos heures ont abordé et sur nos terrains ce complot général de ces républicains. De ce monde le total veut battre les chrétiens, mais son coup est manqué et pour de certains il se trouve éloigné et de nos terrains. Admirons la vaillance à Charette, homme de cœur, il est né pour la France où il fait voir sa valeur. Regardez cette armée et rien de plus beau, il y a palme et laurier et dans les drapeaux. Ce souverain monarque, il a bien du renom, il fait un grand obstacle à toute la nation. Jusque dans l'Angleterre on parle de lui, ainsi que sur les frontières, même à Paris. Dans toutes les provinces vous entendrez parler qu'il y a un nouveau prince qu'on dit dans la Vendée, qui se nomme Charette, le sabre en main, il fout les bleus à terre, j'en suis témoin. Quand il va à l'attaque, dites à ses commandants, mettez-vous en bataille et marchez sur 8 rangs. En avant bombardier, ne craignez rien, courage canonnier, le monde m'appartient. Voyez toute cette troupe, il n'y a rien de plus charmant, Charette veut l'union de tous ses commandants. Il ordonne et prétend que dans la Vendée chaque commandement en soit divisé. Quand nous sommes à Belleville, remparts et bastions, les commandants civils de chaque division vont rendre à leur hommage à le genou auprès du grand personnage du Canclaux.